Voilà, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine de vlog. Votre poteau qui me dit je vais chercher les clés, je descends, ça fait 40 minutes à chercher tes clés là. On se retrouve aujourd'hui avec elle, comme d'habitude quoi. On commence toujours la semaine ensemble. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a de prévu? L'anniversaire surprise de notre petite Nike. On va aller chez Nike alors qu'elle n'est pas là. Ouais. Pour préparer son anniversaire. Elle s'y attend pas je pense. Hein. Elle s'y attend pas du tout. Parce qu'hier elle a fait du coup avec sa famille. Ouais. Mais elle pense pas que genre le lendemain elle a encore un autre anniversaire. Parce qu'on était pas censé se voir avant la rentrée. Du coup je vous donne le contexte pour que vous compreniez bien. Là elle va tous nous voir, elle va être trop contente. J'ai trop hâte. On n'a pas de cadeau. On n'a pas de cadeau. Il y a eu des petits soucis, ça fait qu'on n'a pas pu avoir le cadeau pour le jour J. Pour le jour J. Elle l'aura, ça c'est sûr et certain, elle l'aura. Excuse-moi. J'ai acheté ça aussi. Je vous en ai parlé déjà, j'ai dit que c'était trop bon. On est en train de chercher un cadeau de substitution. C'est ce que j'avais dit. Nike. Salut Nike, votre anniversaire. Oh merci, c'est trop gentil. On a trouvé son cadeau d'anniversaire. Du coup, je vais vous le montrer. C'est ça. Voilà Nike. On espère que ça va te plaire. Voilà, on est parti sur un petit t-shirt avec des trucs bouffants. Donc, on n'a pas trouvé de cadeau de substitution. C'est un déchet total. J'ai honte un peu. Moi aussi, j'ai un peu honte. Alors qu'en vrai de vrai, il y a un cadeau. Bah oui, il y a un cadeau. Bon cadeau. C'est juste que on peut pas lui prendre pour le moment quoi. Et c'est un peu mieux de partir comme ça sans cadeau en fait. Il y a peut-être un truc de substitution, mais il y a pas grand chose. Il y a rien en fait. Il vient de se passer un truc de ouf là. C'est pas la sœur de Rizou. À mon frère, message, elle me dit ouais, ne vous garez pas devant la rue parce que j'étais obligée de la prendre. Elle est montée directement dans sa chambre. Ça veut dire là on va chez elle. Elle est pas au courant. Elle est pas au courant. On sera en train de préparer son anniversaire en bas. Elle en haut. Elle est pas au courant qu'on est là. Ça veut dire qu'on pourra même pas parler, ni rigoler, ni rien du tout. On pourra pas faire de bruit. On va devoir rigoler en silencieux, genre. Non, mais là, c'est chaud. Hein. C'est chaud de plus malade. Donc là, on vient d'arriver. On cherche un endroit où se garer. Mmh. Pour pas se faire cramer, surtout. Ouais. Allô, ça va? Ça va et toi? Ça va, t'es où? Je vais pas parler. Je suis chez moi, je viens d'arriver là avec ma mère et Rizou. Mmh. Et bah, passe après si tu veux. Vas-y. Ouais. Nous on est là nous. Parce que Nassara. Ok, vas-y. Vas du coup, mais du coup on fait comment? Hein? Vas-y, tu me rappelles. Vas-y, tu me rappelles. Je te rappelle, Nana, j'ai pas de raison. Vas-y. Vas-y. Elle vient de nous envoyer un audio. Vous pouvez venir. Vous pouvez venir, je répète, vous pouvez venir. On est en train d'aider sa sœur à porter les cours. Là, on va faire la déco, on va commencer à décorer. Nappe noire, hein? Pour que ça reste plus classe. Elle a ramené sa noire qui brille. Très bien. Ah bah allons-y pour du noir alors. Regardez, comme ça je suis plus rentable. Voit les grandes équipes par contre. Il a liké mes photos. Moi aussi je vais le faire. Hein? Oh my god, attends. Salut tout le monde alors. Oh my god, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il a éclaté. J'ai éclaté un ballon, ça fait un gros poum. C'était le ballon le plus beau. Des nouveaux arrivés. Il y a après il y a ses potes de lycée. Elle est en train de mettre sa tête de lycée. Annie elle cherche les oignons frits. Elle écoute sa musique. Ouais. J'ai trop peur encore. Genre nous on est là, elle est en haut mais c'est pas qu'on est là. Et c'est pas, on est tous là. On prépare et tout machin. Je t'imagine tout le monde. Là on fait des clubs sandwich. Elle est en haut, elle fait sa best life et elle sait pas du tout qu'on est en bas genre. On est en train de lui préparer. Vous entendez pas sa musique? J'ai pas son compte. Quand on rentre, on a la petite déco comme ça. Avec qui elle est. Parmi tant d'autres, ce sera pas ma dernière faute. Je souris à la vie. Ouais, bah, on va passer
J'en sais rien, moi, t'es là, tu me rends ouf et tout. Happy birthday! Est-ce que t'as aimé la surprise? Oui. Parce que là, c'est pas le concert qui va encore plus bas bientôt. Je suis trop contente. En fait, ça fait trop plaisir. Pleure pas. Moi, je rigole. J'ai mal là, c'est trop bas. Finalement, on va acheter le cadeau de Nike avec ça là. Ils ont plus la montre qu'on voulait. On est en train de voir s'il en reste une dernière. Bon, du coup, elle a de la chance, c'est la dernière. Yeah. Du coup, finalement, on a réussi à avoir notre fucking cadeau. Ouais, finalement, c'est. Heureusement, je suis trop content. On n'oublie pas un mot. Ça va. Alors, Rizzo va nous faire un petit discours. Un discours. Merci à toutes et à tous d'être venus, ça me fait super plaisir. Ça prouve que vous comptez, que vous tenez beaucoup à moi. Et sachez que vous comptez aussi beaucoup à mes yeux. Et que j'espère de tout cœur vous garder dans ma vie aussi longtemps que possible. Et je vous aime tous. On dirait qu'elle a pris par cœur. Merci. Merci. Oh my god, elle est trop belle. Tu vas arrêter de voler celle de Anissa. Oh, merci les amis, voilà. Pour arriver à l'heure. Ça, c'est ça. Tu as l'air. Oui. Elle est trop belle. J'ai fait. Elle est grande. Elle va. Ça va. T'es contente? Très contente. Je suis super heureuse. Je ne m'attendais pas du tout. Une vraie, vraie, vraie surprise. Et je remercie tout le monde parce que voilà que je kiffe. Ce soir, c'est ça là. Une épouse. Ouais, c'est moi. En direct du prochain vlog. Voilà, et film de ces chaleurs. Tellement chaud, je sais pas, je voulais sortir, je voulais aller au cinéma. J'avais la flemme de rester chez moi dans la chaleur. Et normalement, je sais qu'au ciné, il fait frais. S'il fait frais, je vais grave regarder genre 2-3 films parce que flemme retourner dans cette chaleur. Bienvenue à mon meet-up. Je suis encore au ciné, je vais voir un deuxième film. Je profite parce que du coup, faut bien rentabiliser. Et en plus il fait frais, genre il fait grave frais, genre c'est climatisé, donc on est bien. Oh mon dieu, cette chaleur. J'étais bien au ciné en vrai. Carrément, il n'y a personne dehors, wesh. You got a fetish for my love. Ça va? Je suis avec Camélia. Elle est venue me chercher, là on va aller faire une surprise à Nap encore. Nap elle a de la chance hein. Grave. Elle a grave de la chance quand on lui fait des surprises, wesh. Mais aimes-tu parce que tout à l'heure elle me dit ouais je vais rentrer chez moi. Alors tu viens ou pas? Marie rentrer chez moi. C'est si je pense à moi que je ressens pas tellement chicose, donc je sais pas. On est là en fait. Je vais te voir. J'ai même pas
Est-ce qu'il y a la caméra? Moi j'ai une pote à moi, elle l'a fait deux fois, c'est bon, t'es passé. Elle l'a fait deux fois FM, mais tu veux pas m'écouter, c'est pas grave. Encore une heure pour une histoire de love. Ils vont encore dire que t'as qu'il parle d'amour. Ça te fait peur quand il y a plus personne pour t'écouter, pour t'épauler, t'as perdu ta petite sœur. Celle qui croyait que tu es en amitié. Tu passes là-bas, moi je passe ici. Genre on se sépare. Ouais, vas-y. Je vais passer par là. Là je vais chercher Camélia. Mais c'est vrai, elle a raison que les arbres, ils sont plus petits que nous, du coup on voit tout. Camélia ! Camélia ! Donc là, avec Ramzi, on est rentré dans un labyrinthe. On s'est séparés, moi je voulais pas me séparer de lui en fait, j'ai peur. J'avance de mon côté. Ramzi, il est de l'autre côté, je le vois même. On est grave perdu dans le labyrinthe. Camélia ! Je suis là ou ce labyrinthe ? Normalement, il n'y a pas des arbres partout. Oh, j'ai pris le bon chemin pour aller en haut. Regardez, il y a un truc pour aller en haut. Je vais grave y aller. Il y a un qui est bien, que je peux vous conseiller. Une des erreurs, je conseille un labyrinthe. C'est le... Elle est là-bas ! Elle est là-bas ! Attends, j'arrive ! Donc, il y a rêvé. Bon, du coup, je disais un labyrinthe que je peux vous conseiller. Le labyrinthe à Disney, à côté des tasses, genre, qui tourne. Il y a le labyrinthe de Alice au Pays des Merveilles. Mais là, je suis bloquée, moi. Tu sais quoi, je vais essayer d'escalader. Je sais pas comment je vais faire. Ramzi, passion escalade. Non. Imagine, je tombe. En plus, là, je peux pas t'aider, hein. Je tiens les deux téléphones. Non, non, ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Comment je vais faire? C'est un échec! Tout droit! Là? Ouais! Ouais, vas-y, continue, continue, continue. C'est bon, je l'ai retrouvée. Yeah, elle m'a beaucoup aidé. Elle m'a beaucoup aidé, je sais pas où on va. Comme d'hab, quoi. Je crois qu'on va en haut. Vas-y. Mais il y a des enfants là-bas, ils font du trampoline, je sais pas si vous allez les voir. Ouais, attends, attends, viens, fais ça, après on va. Du coup, voilà, regardez le labyrinthe. Ah ouais, en fait, on voit tout le labyrinthe. Du coup, il est en train de chercher la sortie. Tu te rappelles? Non, je cherche grave pas la sortie, je me rappelle de la sortie. Ok. On verra. Bon. Je crois à la vie. Non, je suis sûre, toujours être sûre de soi dans la vie. T'as raison. Sinon, on n'arrive à rien. T'as raison. Attends, il y a quoi? Il y a des trampolines. Oh my god, je suis trop mal, wesh. Mais pourquoi je suis?
faut vraiment que j'aille voir un médecin parce que là j'ai fait du trampoline, ma tête elle a commencé à tourner, j'ai eu des vertiges. On a fait 2 sauts au trampoline. 3 sauts. Ma tête, ma tête est tournée. C'est pour ça en ce moment j'ai pas trop vlogué cette semaine là en fait. J'ai pas trop vlogué parce que je sais pas, j'ai des petits soucis. Faut que j'aille voir un médecin. C'était un calvaire de sortir avec, vraiment. Clairement. Ouais. Ok. La vie. Les orages, j'arrive même pas à parler. J'étais chez le médecin, il veut que je fasse un test de coronavirus. Là, il a dit oui, d'abord, on doit d'abord vérifier que ce n'est pas le corona. J'ai reçu un nouveau colis, donc on va l'ouvrir tout de suite. Alors, voilà, vous allez me prendre pour un fou. Le t-shirt que j'ai, je l'ai pris ensuite. Je vais le tester. Bon voilà, du coup c'est juste un sweat basique avec écrit champion quoi. Eh, vous savez, ça manque de mettre des sweats, mais ça me manque, j'en ai marre. Je suis pressé d'être en hiver pour remettre des sweats. Ça fout le seum, ils ont prédit des orages et guetter le temps, wesh. Y a pas de chute d'orage en fait. Regardez ce que je viens de recevoir. Je viens de recevoir ça. J'ai acheté une combinaison de ski, wesh. Oh my god, on est en août. Ça c'est le bas. Oh my god, c'est ça que je déteste en fait. Regardez les jambes, c'est Big Mama, genre les jambes c'est des pattes d'éléphant. Voilà quoi, c'est un pantalon de ski quoi. MDR. Et j'ai pris ça. J'ai pris une veste jaune, comme ça au moins si je suis perdu dans la neige, on voit que moi. Là je suis prêt pour aller skier là.